La ligne de Miramas à l'Estac, qui double la grande ligne Paris-Marseille vers la fin de son parcours, traverse entre les gares de Martigues et de Port-de-Bouc l'étang de Caronte, situé un peu en avant de l'étang de Berre, par un viaduc métallique de 943 mètres de longueur. Le chenal d'accès à l'étang était franchi à 23 mètres de hauteur par un pont tournant de 114 mètres de longueur en deux volets de 56,50 m de portée. Construit en 1910 par M. Séjourné, ce pont dont les 1450 tonnes reposaient pendant la rotation sur un pivot constitué par une lentille en bronze de 83 cm de diamètre était l'un des plus grands ponts tournants du monde. Le 18 août 1944, les Allemands provoquent l'effondrement de ce magnifique ouvrage en faisant sauter la pile centrale. Ils complètent la destruction par celle d'une travée fixe de 52,50 m côté Port-de-Bouc. La ligne de Miramas à l'Estac est coupée, en même temps que l'étang de Berre est privé de communication avec la mer. Dès la libération, on se hâte de rétablir la liaison maritime. La partie de la travée tournante obstruant le chenal est découpée à l'explosif. Par contre, on renonce momentanément à rétablir la voie. Faire un pont provisoire sans couper pendant longtemps le passage au navire et sans compromettre dangereusement la reconstruction définitive paraît une tâche presque insurmontable. Pendant un an, les décombres sont abandonnés. Le silence qui règne à Caronte contraste avec l'activité qui se manifeste ailleurs. D'autres travaux plus urgents sont réalisés. Cependant, les facilités qu'offrait autrefois le système ferroviaire pour l'écoulement du trafic vers la vallée du Rhône sont sensiblement réduites avec la destruction du pont de Caronte. La gêne créée par le goulot Miramas-Lestac ne tarde pas à être ressentie de plus en plus vivement au fur et à mesure que s'accroît l'activité du port de Marseille. En conséquence, l'on décide en septembre 1945 de rétablir le viaduc, quelles qu'en soient les difficultés. Les études sont immédiatement entamées et la solution arrêtée. Au-dessus de la passe navigable, la travée tournante sera remplacée provisoirement par une travée levante de 49,50 m de portée, susceptible de monter à 40 mètres de hauteur au-dessus du niveau de la mer pour dégager les plus hauts mâts des navires empruntant le chenal. Cette travée sera supportée par des pylônes métalliques appuyés d'une part sur la pile côté Martigues et d'autre part côté Port-de-Bouc sur un portique en béton armé dont les quatre pieds dégageront l'emplacement de la pile future destinée à supporter le pont définitif de caractéristiques voisines de celles du pont ancien. Le portique en béton armé et l'espace qui sépare ce portique de la travée d'accès relevée et réparée seront franchis par deux ponts provisoires de 48 mètres et de 15 mètres de portée. Les phases d'exécution seront les suivantes. On déblaiera au plus vite la travée tournante pour permettre la construction du portique en béton armé. Pendant ce temps, on relèvera et on réparera la travée fixe effondrée. Pour ne pas interrompre longuement la navigation, les ponts provisoires destinés à remplacer l'ancien pont tournant seront montés sur les travées côté Martigues, tandis que l'on édifiera les supports métalliques et les cadres de manœuvre de la travée levante. Ils seront ensuite lancés au-dessus de la brèche à l'aide de treuils de halage fixés sur les travées opposées. Dès la fin de l'opération, la travée levante sera placée en position haute pour que la navigation puisse reprendre avant même que les ultimes réglages permettent la circulation ferroviaire. Plus tard, le futur pont tournant sera monté parallèlement au chenal pendant que les trains passeront à travers la charpente en cours de montage. Pour la mise en service définitive, après avoir retiré les ponts provisoires, on fera tourner pour la première fois la travée mobile pour l'amener dans sa position de fermeture.
ingénieurs et dessinateurs se mettent à l'œuvre tandis que sur place on attaque le déblaiement. 1000 tonnes doivent être évacuées. Des centaines de tonnes sont en équilibre précaire. L'enlèvement est dangereux, le travail long, car les moyens sont faibles. Autant que possible, on s'efforce de récupérer les pièces métalliques qui pourront être réutilisés dans le pont définitif. Quatre mois seront nécessaires pour dégager l'emplacement de la pile centrale et entamer la construction du portique en béton armé. On espérait trouver à faible profondeur une assise solide pour les pieds du portique. Malheureusement, les premiers sondages montrèrent qu'il était nécessaire, côté port de bouc, de s'appuyer sur des redans de la pile situés à 11 mètres de profondeur au-dessous du niveau de la mer. Il fallut donc recourir à des pieux en béton armé, forés à travers les matériaux de remplissage de l'ancien caisson ayant servi à la construction de la tour centrale. Ces pieux sont constitués par du béton mis en place à l'intérieur de tubes métalliques descendu dans des puits préalablement forés à la tarière. Les tubes, d'un diamètre de 40 cm, sont constitués de tronçons vissés successivement. Deux mois sont employés à ce travail imprévu. Mais en même temps, on prépare le relevage du tronçon effondré de la travée d'accès. Ce tronçon, d'un poids de 300 tonnes, est tout d'abord calé et amarré soigneusement à la pile voisine. Après avoir convenablement réparé et allongé l'extrémité de la travée restée en place, le tronçon tombé y est suspendu par des bielles articulées sur lesquelles agissent des groupes de vérins hydrauliques par l'intermédiaire de chevêtres métalliques. Les bielles sont percées d'une série de trous qui permettent à la fin de chaque montée élémentaire de bloquer le tronçon par des broches de 10 cm de diamètre et de ramener les vérins à leur position de départ. Au fur et à mesure du soulèvement, le pont reprend sa place sur la pile. Il faut dégager la maçonnerie pour permettre le recul des consoles de sécurité placées à l'arrière des poutres en vue de parer à un glissement accidentel du tronçon. Le relevage se poursuit rapidement et les 17 mètres de hauteur sont franchis en 8 jours. Enfin, on en arrive au raccordement. Les opérations ont été bien menées et le tronçon relevé se raccorde avec précision au tronçon resté en place. Sur la pile, le pont a retrouvé son appui normal et on l'y cale soigneusement. Encore quelques boulons, quelques rivets à poser et la travée fixe sera de nouveau utilisable. Le drapeau peut flotter sur cette première phase du travail. Ceux qui en ont été chargés n'apporteront pas un jour de retard à la mise en service du viaduc de Caronte. Mais les autres équipes n'ont pas non plus perdu leur temps. Les bétonniers ont rapidement coffré, ferraillé et coulé le portique en béton armé dont chaque montant mesure 2 mètres de côté. En 20 jours, ils sont au sommet, à 23 mètres au-dessus de l'eau.
Pendant ce temps, en gare de Martigues, les sapeurs du 5e régiment du génie ont installé leur cantonnement. Ils se chargeront du montage des ponts provisoires. Sur le wagon Fagnon, où sont rappelés les travaux remarquables effectués par la compagnie, le viaduc de Martigues-Caronte pourra s'ajouter à bien d'autres titres de gloire. Les ponts provisoires de 49 mètres de longueur destinés à remplacer l'ancienne travée tournante sont des ponts croupes en acier à haute résistance prélevés sur les prises de guerre, dont les caractéristiques conviennent parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés. Ils sont légers et offrent peu de prise au vent. Le montage s'effectue sur les travées d'accès côté Martigues, qui constituent une plateforme idéale. Tous les assemblages sont boulonnés. Les pylônes métalliques, qui serviront de guide à la travée levante et à ses contrepoids, s'élèvent à plus de 50 mètres de hauteur au-dessus de l'eau. Pour gagner du temps, ils ont été montés d'une seule pièce, malgré les risques de l'opération. Les poutres, réunissant la tête des pylônes, sont elles aussi hissées d'un bloc, pendant que se poursuit le montage des ponts provisoires. Les tiges métalliques qui descendent le long de la pile sont les tiges d'ancrage du pied des pylônes qui doivent chercher à un niveau convenable la masse de maçonnerie nécessaire à l'équilibrage des efforts du vent. Plus loin, sur la voie et à l'entrée du pont, l'on prépare activement la signalisation qui permettra de passer sans danger sur la voie unique de plus de 1 km de longueur à la traversée de l'ouvrage. Enfin, le montage est achevé. Pour le lancement, les deux ponts provisoires attelés par un élément croupe d'une quinzaine de mètres forment un ensemble de 115 mètres de longueur d'un poids de 500 tonnes. Les dernières dispositions ont été prises. Treuils et galets de roulement sont en place. Les contrepoids de la travée levante sont chargés de 200 tonnes de rails, car il faut que le levage s'effectue immédiatement après le lancement pour réduire la durée d'interruption de la passe navigable. Enfin, tout est prêt. Le soir du 5 juillet est un peu une veillée d'armes. Le 6 juillet, à la première heure, l'ordre de départ est donné. Les treuils électriques de 12 tonnes se mettent en action. Le mouvement se fait sans heurts, à la vitesse de 5 mètres à l'heure. Il faut toutefois compter avec les arrêts indispensables pour les reprises et les réglages, dont l'opportunité est révélée par les mesures minutieuses qui accompagnent l'avance. Les corrections utiles sont apportées par une action opportune des treuils de guidage installées au sol. Il faut aussi compter avec le Mistral qui se met à souffler à 90 km à l'heure, alors que le pont est déjà engagé de plus de 20 mètres sur la brèche. Quoi qu'il en soit, grâce aux soins dans la préparation et dans l'exécution, l'opération bien menée se déroule sans incident. Le portique en béton armé est atteint le soir du 3e jour. Le passage délicat entre les pylônes s'effectue correctement. Après 4 jours d'efforts, l'on atteint les travées fixes. La brèche est franchie. Mais des navires attendent au large. Sans perdre de temps, la travée mobile, désolidarisée du reste de l'ouvrage, est relevée pour donner le passage avant d'achever les derniers réglages qui permettront de rétablir la circulation des trains. Le 19 juillet 1945, moins de 10 mois après que la décision de rétablir le viaduc de Caronte eût été prise, celui-ci était inauguré.
ruban symbolique est coupé par M. Poncet, directeur de la région du Sud-Est, devant l'ensemble du personnel du chantier. Tous ont participé au travail de tout cœur, ingénieurs et ouvriers, officiers et sapeurs. Ils trouvent dans cette journée la plus belle récompense de leurs efforts. Le premier train qui passe, à Caronde comme sur les 1600 ponts provisoires construits auparavant, est toutefois la consécration de l'œuvre accomplie, et la joie se lit sur tous les visages. Pourtant, à Caronte, la tâche n'est véritablement achevée qu'avec la manœuvre de la travée levante, qui en constitue la partie vraiment originale. Provisoirement, la manœuvre se fait autre œil, et il faut du doigté à ceux qui sont chargés des opérations. Après quelques réglages, le fonctionnement est parfait. Les appuis prennent une position correcte. La voie se raccorde bien. La montée ou la descente de 17 mètres demande 8 minutes environ. Le viaduc de Caronte est de nouveau prêt à fonctionner. Ultérieurement, on installera la commande hydraulique qui permettra de soulever le pont automatiquement par un piston de 75 cm de diamètre à la manière des ascenseurs d'immeubles. Le synchronisme de la montée aux deux extrémités sera obtenu automatiquement et la manœuvre présentera une sécurité parfaite. Ainsi s'achève la première étape du travail. Pendant que dans le silence des bureaux, la préparation de la suivante, la reconstruction définitive, est déjà entamée. Grâce à l'effort de tous, on a donc pu mener à bien, en un temps record, l'édification d'un ouvrage qui non seulement comporte le plus grand pont levant de France, mais l'un des plus grands d'Europe. Puisse cet exemple de fraternité et de cohésion pour la réalisation d'une même tâche montrer aux Français la véritable et seule route à suivre vers la prospérité et la grandeur d'autrefois.